Salut à tous amis explorateurs, je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui je vous ai emmené en région parisienne, plus précisément dans le Val d'Oise. Et on est à la Roche-Guyon. Et on arrive sur un paysage juste magnifique. La Seine en contrebas, les méandres de la Seine avec un lever de soleil. On est en 8h du matin là. Je sais pas si vous allez me voir. Et on a donc la plaine avec la Seine en contrebas et la brume matinale. Alors on la voit beaucoup plus là-bas, hop, au fond. C'est juste magnifique avec le soleil ici, c'est un véritable spot là, j'ai dégoté un véritable spot. Comme vous le remarquez aujourd'hui, je suis tout seul, je suis parti en exploration seul parce que du coup Anaïs est elle en vacances. Là vraiment, avec le soleil, avec la brume, c'est juste magnifique. J'essaie de descendre un peu plus bas, essayer de voir si je peux trouver un spot photo plus agréable, pour puisse avoir une meilleure visibilité, parce qu'il y a tous les arbres devant, malheureusement. Bon les gens, c'est vraiment pas mon jour, j'ai vraiment un carnet de merde. Alors que j'étais en train de prendre des photos avec mon téléphone portable, j'avais posé donc la caméra de vlog par terre éteinte, mon appareil photo éteint bien entendu dans mes bras, et là encore deux biches qui passent sous le nez. Putain, incroyable, j'en ai jamais vu d'aussi près. Elles étaient dans les buissons là, dans les fougères. Je pense qu'elles attendaient que je me casse pour traverser tranquillement. Enfin bon, je désespère pas, je vais reprendre la voiture là, comme je l'indiquais, reprendre la voiture et puis continuer vers la Roche-Guyon, redescendre et essayer de trouver une petite promenade le long du fleuve pour refaire quelques photos. Ok les amis, donc on se retrouve à la Roche-Guyon là. Vous avez le château, hop, qui est juste derrière moi là-haut. Et on est juste sur les bords de Seine là, comme vous pouvez le voir. Et on a vraiment, pareil, encore une super ambiance. Un peu de brume là-bas. Le désert de Retz, joyeux terrain, désert, étage invitoriel, sanglot chinois, ok d'accord, on a compris, visité, commence débute à 14h, ok, bon bah gros flop, gros fiasco, bon, alors, du coup comme vous l'avez vu, le désert de Retz finalement n'est pas en accès, n'est pas en accès libre. Il faut réserver une place. Et ce ne sont que des visites guidées. Et bah du coup, écoutez, je crois que c'est après ce vlog un peu catastrophique, c'est le moment de le conclure. Et puis à tantôt. Allez, ciao.